Vous êtes nombreux à nous suivre de partout où vous êtes, chers téléspectateurs, chers internautes, chers abonnés de Congo Market Télévision. Vous, les amoureux de cette émission CMTV Sport. Bonjour. Bonsoir. Voilà, mokona lelo nazan susu na esengo makasi ya ko présenter bino, ko présenter pona bino émission Oyo bolakisai ke bolingi yango penza boyambaki yango na maboko pembe CMTV Sport. Émission ezobetela bino masolo, ezopesa bino ba actualité sportive en République démocratique du Congo, na Afrique et pourquoi pas ba actualité na monde entier. Mokona lelo naza penza na masolo ebele, ba information ebele oyo na bongisi po na bino, parce que il y a des internationaux congolais qui évoluent, nos joueurs qui évoluent en Europe. Voilà, ba sali pena ba prouesse, ba sali ba performance ya makasi e bongo libanda ba récompensa ki bango torobeta li solo na bango torobeta li solo ya grand retour na sélection française ya Karim Benzema, équipe nationale ya France, retour makasi penza oyo ba français ebele et puis ba amouré sportif ebele ba bané kozela retour ya Karim Benzema. Voilà que Didier Deschamps ayoki kolela ya ba sportif ebele. Torobeta li solo ya judo, torobeta li solo ya Vodacom Super League 1, torobeta li solo ya Leopard et bongo pourquoi pas torobeta li solo ya Gelor Kang masolo et comme mystique. Voilà, parce que il y a une annonce qui vient de tomber aujourd'hui là, tout à l'heure il y a une annonce qui vient de tomber. Voilà, torobeta li solo ana. Parce que Gabon a la contre-mire. Hein? Nazo, bête, c'était que Gabon a la contre-mire. Quand nous sommes en bande de mission, on a moins mal l'été et bande les alara. Hein? Tout bandit. Et puis, Nakati et Indi, merci à toi. Voilà, Osaka Anangai. Osaka Anangai, Yondozo Sala, Elengi a émission Oyo. Beni Ifombo, l'homme bon. Yondozo Sala, beauté. Hein, émission au Batbo, c'est plein en haut parce que yo osa nangai. Voilà. Et ça, un joueur, mon co, nan en répondant à Léopard. Maman, ma dossier, on dit, ma passeport, ma document, ma combo, ils ont compliqué. Mais Lélo, si Lélo peut apporter soit dans la sélection, mon côté Libanda, il est congolais. Silas Wamangituka. Wana pena, pire petit, il y a quartier. Hein? Bana Cambodge, bana Kauka, bayebi masolo na zo beta. Moi na Beladon, na Kauka avenue Beladon. Sila wa Mangituka. Aza bongo ko évolué na Allemagne, na Bundesliga na Stuttgart. Il a été élu meilleur jeune joueur ya championnat Bundesliga en Allemagne. Coup de chapeau. Avec 15 buts, na 5 passes décisives. Coup de chapeau. Et le coup mouna RDC. Sila Wamangituka. Azo Tiababi Nandenga Tembe. Un très très bon joueur, je confirme. Parce que, biso to aba tout mona indenga obeta. Awa na kin, to mona e. Na ba parc, na ba terrazelo. Sila wa Mangituka. Un bon buteur, un bon dribbler, un bon passeur. Tozo zelaye na Léopard. Il y a aussi Gaël Kakuta. Félicitations mwana mboka. Félicitations mwana mboka. Et comme ingala, il y a RDC. Gaël Kakuta évolue actuellement dans Lens, en France. Il venait d'être élu meilleur joueur africain évoluant plutôt en Ligue 1 française. Et il a
reçu le prix Marc Vivien Foé. Il a reçu le prix Marc Vivien Foé. Élu meilleur joueur africain évoluant en Ligue 1 française. Coup de chapeau, Gaël Kakuta. Et il a été reçu dans Radio Foot International. Il confirme sa participation dans le match Oyo Léopard Azanango Mikolo Zoya. Coup de chapeau. Et nous encourageons d'autres joueurs à faire ainsi. Il y a Ben Malango Naraja. Il a été élu aussi meilleur joueur et en mois d'avril. Coup de chapeau. Nous voulons de telles performances. Pour que tant que tu as la compétition africaine, tant que tu as bête dans le pays, tu as banga. Va reconnaître, oui, dans mon cycle, la RDC a des joueurs qui ont de talent. Ils ont longtemps entendu le retour de Karim Benzema dans l'équipe nationale française. Après 5 ans d'absence, 5 ans ou 7 ans, après beaucoup d'années d'absence, Nama Makambo, Azaïnango, Zalakiwana, Moyena, coach Didier Deschamps. Mais pour cette fois-ci, parce qu'il y a l'Euro 2021 qui commence au mois de juin prochain, le coach Didier Deschamps a porté son choix sur Karim Benzema, qui signe son grand retour. Son grand retour. Et l'impression était très bonne. À l'Obi, il a aimé à CPL pour un retour. Comme un joueur français, défendre maillot, il y a pays naïe, ça a toujours été une fierté. Il y a un championnat, on a besoin d'informations à Jido, il y a un championnat d'Afrique, du Jido, où ils ont mounama, na juin, on a Sénégal. La RDC sera représentée, et pas moi, Namboka, Marie Brandser. Bonjour, mon photo, naïe. Bamsouba omituna. Oh. Mundele Boye, Aza Congolaise, Ndengenini. Oui. C'est depuis 2019 que Marie Brandser avait opté pour la nationalité congolaise. Elle avait opté pour la nationalité congolaise depuis 2019. Une très belle femme. Nous sommes en RDCP. Ba sportive, ba athlète à Pembe pe bazalaka. Yewana Marie Brandser. Elle est née en 1992 en Allemagne le 15 août. 1992 en Allemagne le 15 août. Elle est vice-championne d'Allemagne en 2017, médaillée de bronze au tournoi de Glasgow de judo en 2017. Elle a 9 médailles en Coupe d'Europe. Et à ma sécurité, 9 médailles en Coupe d'Europe. 4 médailles au championnat allemand et plusieurs fois championne d'université en Allemagne dans un des Et c'est en 2019
qu'elle a opté pour son choix pour la nationalité congolaise. Et elle avait reçu son passeport congolais. Ma délivra qui est passeport naïe. Vous allez voir là avec le professeur Poussin. Vous allez voir, voyez les images avec le, à l'époque, le ministre de sport, c'était le vieux Lisanga Bonganga. Bayambaka est déjà. Il y avait eu de problèmes là, il y a quelques jours passés. De placement na bango, il y a un coach na ye, coach na ye, y a équipe nationale, le coach Pedro Guerres. De placement na bango de l'Allemagne, Pobaya Sénégal, wapi championnat d'Afrique et Gozala. Et comment Meloba mi na ba réseaux sociaux, na ba journaux, que la Fenacogi est abandonné bango. Moyen de déplacement et Zala quitté. Naba gouvernement Oeleka qui. Il y a des informations que naba tournoi nyonso Oyo Marie Bronsoeur a mandé qu'on ko représente RDC. Elle dépensait de son argent. Elle achetait des billets, les frais de déplacement, des logements. Nambongo na ye moko. Quel amour! Quel amour d'une patriote! De tel acte, nous soutenons. Mais de l'autre côté, nous ne soutenons pas l'abandon. Pourquoi l'inattention de la Fenacogi, du ministère de sport? Pourquoi une athlète peut dépenser de son argent pour aller défendre la République? La RDC n'est pas un pays pauvre. Le président Félix Tshisekedi a toujours eu ses deux oreilles pour entendre les sportifs. Mais merci aujourd'hui, avec le nouveau gouvernement de Warrior, des guerriers, le nouveau ministre de sport, son excellence Serge Nkonde, le mardi 18 mai, à Yambaki Bongo, Fédération Yajido, la Fenacogi. À Yambaki Bongo, ba beti li solo ya participation ya Marie Bronsoeur na championnat d'Afrique na Sénégal. Et la solution a été trouvée à l'immédiat. Coup de chapeau au ministre. Nous voulons comme ça. Mangambo la te. Le président Félix veut que les choses avancent. Le premier ministre Samalou Kondé avait promis qu'il sera partout où le peuple congolais aura besoin de lui. Merci au ministre. Et à devoir, Nabino. Nous disons merci pour l'implication. Parce que déjà semaine Oyo, Azoniata déjà Makolo, dans le Sénégal. Pour le compte de la RDC, Marie Bronsoeur est la seule athlète qui va représenter la RDC aux Jeux Olympiques Tokyo en été ici. Mes chers frères, mes chères sœurs, pourquoi ne pas soutenir une telle dame? Vous savez qu'elle a opté pour la nationalité congolaise parce que Abande Komona Otobenga na lingala un kipa. Don Allemagne ko ba kipa na bango yete.
Malgré ba médaille union so bande ko zoa. Ya gagnera na ba championnat allemand. Na université bande ko tanga, c'était toujours elle la championne. Mais non. So bangi ba sa la sélection ya ba athlètes o ba représenter Allemagne na ba compétition minene. Ba zoa ka été. Elle a décidé de porter le maillot, le kimono de Tolobara. Il y a RDC. Et titre Naye Aliboso, à l'honneur de la RDC, c'était en 2020. Médaillé d'or au championnat d'Afrique. Et là, il y a Antananarivo. Wow. Coup de chapeau. Coup de chapeau, notre athlète. Wa mwana mboka. Tolingine boye. Mouto a changé nationalité. A sengi nationalité à RDC. A komi pe ko travaille. Pour na intérêt à RDC. Et là, le roi. Coup de chapeau. Na komina téléphone na maboko parce que ici je veux parler de la publication de la liste de présélectionnés des léopards. Vous êtes sans ignorer que il y a quelques semaines passées la fédération avait conclu un accord avec un nouveau coach. Pour le léopard, c'est l'Argentin Hector Cuper, avec une très grande expérience. Il a joué la finale de la Coupe d'Afrique des Nations avec l'Égypte, perdu face au Cameroun. Il a coaché l'Inter de Milan à l'époque avec le grand Ronaldo. Ronaldo de Lima. Il a coaché Valence jusqu'à la finale de la Ligue des Champions, perdue face au Real de Madrid. Avec le Valence, il a aussi joué la finale de la Ligue des Champions, perdue face au Bayern de Munich. Mais il est champion de la Liga. Il est vainqueur de la Coupe du Roi. Il est champion d'Italie. C'est vraiment un coach expérimenté. La liste des présélectionnés, Moutoua Saliango, c'est le troisième coach. Le coach Daoula Lopembe. Il y a certains qui l'appellent Daouda Lupemba. Il y a sa troisième coach. Le coach principal, Hector Cuper, est attendu ici le mardi 25. Le mardi 25 mai. Aroya, na deuxième coach au Azapé argentin. Lui, c'est le coach José Carlos Fontaguzzi. Donc, Barozala, Hector Cuper, coach principal, Carlos José Fontaguzzi, deuxième coach, Daoula Lupembe, troisième coach. La liste des présélectionnés, c'est en vue de la préparation des éliminatoires du Mondial Qatar 2022. Match Nabiswa Liboso, Toroyamba, l'équipe nationale de la Tanzanie au mois de septembre prochain. Torbe Tango, na stade TP Mazembe à Lubumbashi, vous êtes sans ignorer que le stade de martyr est conforme à la norme de FIFA. Donc, na RDC,
bapona ki kaka stade TP Mazembe nde ekoyamba ba match nyonso ya Léopard ya Veux Club ya Maniema Union ya ba équipe o ekobeta ba coupe ya confédération coupe ba interclub tokobeta biso nyonso kuna Lubumbashi. Coup de chapeau au président Moïse Katumbi et à TP Mazembe pour batonga stade na bango na ba norme. C'est ce que je me demande. Si un individu peut construire un stade aux normes FIFA, à combien plus forte raison la République démocratique du Congo, une république, tala bokamba mboko mabe, bokamba mboko mabe, ba premier ministre nyonso boleka, ba ministre sport boleka, ba président o boleka. C'est depuis longtemps que la FAF, la CAF et la FIFA nous avertissaient par rapport à stade des martyrs et zo répondre à ma norme t. Lelo bisonyo soto obeta na TP Mazembe. Bana veya TP Mazembe. Est-ce que vite azo kebeta na Mazembe? Na TP Mazembe. Avion komema ba supporter se koza. Heureusement COVID bat bakota sou na stade. Bien que na Lubumbashi ba supporter avec les baza. Mais l'engezaka, bobeta na fief na bino. À part le match qui va se jouer en septembre, vous devez déjà retenir que na groupe ya RDC na éliminatoire oyo, tozana Tanzanie, Bénin, Madagascar. Ba obeta sko match de barrage na ba premier ba poule mususu. Et wako bima vainqueur na double confrontation ya barrage. Azui tike na epona mondial 2022 na Qatar. Sur ce, la RDC prépare déjà, se prépare déjà pour le match de septembre. La preuve via liste après sélection OE. Le 5 juin, na Tunisie, nous allons jouer un match amical face à l'équipe nationale de la Tunisie. Et le 11 juin, nous allons livrer le deuxième match, toujours en Tunisie, mais cette fois-là, face à l'équipe nationale du Mali, le 11 juin. Je vous fais la liste, bien que Zobi Mawana, vous voyez ça, très rapidement, je vous fais la liste. Comme gardien, Joël Kiasumbwa, Aouti Serviette dans Suisse, Badjo Siadi, Aouti Bazano, Jackson Lunanga, Maniema Union, Brunel Efonge, JSK, on a ba gardien. Les défenseurs, Joy Saman Peko, TP Mazembe. Moukoko Amale, El Difa, Maroc. Gédéon Kaloulou, Ajaccio, France. Fabrice Nsakala, Beşiktaş, Turquie. Luzolo Nsita, ASV Club. Glody Ngonda Muzinga, Dijon, France. Marcel Tisserand, Fenerbahçe, Turquie. Christian Louindama, Galatasaray, Turquie. Chancel Mbemba, Porto, Portugal. Arsène Zola, TP Mazembe. Inonga Baka, De Saint-Pé. Idumba Fasika, FC Lupopo. Milieu de terrain, Serge Moukoko Tonombe, Young Africa, Tanzanie. Mika Miché, TP Mazembe. Fabrice Ngoma,
Raja de Casablanca, Maroc. Gaël Kakuta, Lens, France. Marcel Ngimbi, Maniema Union. Paul José Mpoku, Émirats Arabes Unis, équipe Al-Wada. Yannick Bangala, AS Far, Maroc. Panzupeli Luton. Panzupeli, équipe Luton Tone, Angleterre. Attaquant. Kinzumbi Philippe, TP Mazembe. Yannick Bolassi, Middlesbrough, Angleterre. Glody Lilepo, ASV Club. Boalia Walter, Al Ahly d'Égypte. Cédric Bakambu, Beijing, Gohan, Chine. Ben Malango, Raja de Casablanca, Maroc. Serge Mouk, ça j'ai déjà cité. Ok. Jackson Muleka, Standard de Liège, Belgique. Jonathan Bolingui, Lausanne, Suisse, comme réserviste. Wadol Djuma, ASV Club. Kimvui Di Karim, 2MP. Kazadika Sengou, Al-Masri, Égypte. Maxi Nzengeli, AS Maniema Union. Donc, il y a 32 joueurs présélectionnés plus 4 réservistes, ce qui fait 36 joueurs. En attendant l'arrivée, il y a coach mardi pour Batala Nengenini Bako évoluer avec les joueurs présélectionnés. La Lina Foot, voici les informations rapidement. Le dimanche 16, s'est joué pratiquement 4 matchs. TP Mazembe a battu la SV Club par 3 buts à 1. Simba a battu 2CMP, 1 but à 0. Maniema a battu Rangers, 2 buts à 0. Renaissance battu par RCK, 3 buts à 1. Et mardi 18, Renaissance a fait match nul de 0 but partout face à JSK. Ce qui fait que actuellement, n'empêche Aminoka le 3 premier. Le classement est serré. TP Mazembe premier avec 63 points. 27 matchs joués. SV Club deuxième avec 61 points avec 26 matchs joués. Comprenez. Et à la troisième position, il y a Maniema Union avec 60 points, 27 matchs joués. Le mercredi 19, l'SV Club reçoit Simba de Kolwezi reçoit l'SV Club. Dans les prochaines émissions, Topé Sabino score parce que pendant que nous tournons, le match se joue déjà. Et dimanche, le 23, Maniema Union recevra 2MP. TP Mazembe sera reçu par Maniema Union. Donc, vers club Soka gagné Simba à Zongeli, place Nae, il y a leadership. Et dans le dossier Moko, et dans le cas, ça peut faire mal au dauphin noir. Don Bosco a fondé ASV Club pour usurpation d'identité. Il y a un joueur de l'ASV Club avec un joueur, il y a Don Bosco. Avec un joueur, il y a Don Bosco. Allez, capé na KFA. Allez, quand na KFA. Balobi, na fait club à Betty, ba falsifié Mikanda. Combo na ezo bimawana, na
photo na e, voici le joueur est là. A betagi match à Don Bosco. Donc, ba koti déjà dossier na lina foot. So ki lina foot a kati, c'est que ve club a perdre match wana. Na forfait. Et so ki pa beta déjà ba match moussous, ba match wana pe, ve club a perdre wana forfait. Donc, e zara pena nouvelle a mala moute po na ba Moscovitch. Mais, Natali na page Facebook, il y a V-Club Télévision, ba komi. Botalango ya ngone zo leka, ba komi. Tous les joueurs de V-Club sont en ordre depuis l'époque contemporaine. C'est-à-dire, baza sur na ba identité, pe na transfert, ya joueur na bango. Voilà. Ça, c'est la SV-Club. Na Liga Kuna, c'est joué aussi le dimanche 16. Barça, tenu en échec par Celta Vigo, 2-1. Real de Madrid a battu difficilement Atlético Bilbao, 1-0. Atlético Madrid a battu aussi difficilement Osasuna, 2-1. Le deuxième but marqué par Suarez, na souka ya match. Ce qui fait que Batika est une journée moko. Samedi, le 22, Barobe Tabango Nyonso à 17h juste. R moko. Barça Robe Tana et Ibar. Real Robe Tana, Villarreal. Et Atletico Robe Tana, Valladolid. Donc, ce qui est Atletico à Sali, nul. Et que Real a gagné, Real sort champion, il y a Liga. Pour Atlético, actuellement, ils ont 83. Real a 81, Barça a 76, Séville a 74. Donc, Moutouaz a un faux pâté. La Liga aussi est très serrée comme... comme là, ici, à la Super League Vodacom, Luc 1. Nazo Soukisa Awa avec les dossiers de Gelor Kang. Nazo Sagibino na émission Eleki, que l'affaire a été, le verdict de la CAF a été renvoyé au dimanche 16. Dimanche 16, Eleka qui? Le deux parties. Protagoniste. Badala ki kafacha ki bango en confrontation par visioconférence. Na confrontation wana ne salamé que CAF a reporté à rendre verdict na été. Pourquoi? Parce que la fédération congolaise a Mémi Gabon contre-mur, je vous dis. Contre-mur. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, Gabonais, ils ont toujours maintenu que les joueurs et Gabonais de père et de mère. Il est né au Gabon. Et ils ont même allé très loin. En dehors, il y a qu'on falsifié Mikanda, il y a joueur. Il y a Kiaku. Ba falsifié pe ba document, il y a papa. Ba commissaire pe gabonais. Pendant que ba pe Veneza. Pendant que a zwa déjà deux passeports. To même qui on yon son en CAF. Et ba kimisaye a na Serbie. Place joueur à Betara. Place qui a quoi Betara. Équipe ou en équipe sa perroir. Tout ça, on a bien nos calculs. Oye, sali que CAF a quoi qu'on rendre verdict. Te po CAF yé mo razoui maman na vertige. Moi, je vous dis, Gabon a quitté Amata. Baza nan zela ko le kate.
Tout ça calcul mouké parce que tu commis dans souka. Il y a Eloko et Tché Gabon contre Mir. Ba kokite. Ba simbi moutou. Ba sengi kaf quelques jours de report. Tout ça la calcul. La maman de Gelor Kanga. Vous voyez le calcul. Eh bimawana. Nalingi bota lango. Bosa lango nanga. Eh bimawana. La maman de Gelor Kanga. Aboti Gelor Kanga, le 8 octobre 1985. Vous voyez, le 8 octobre 1985. 4 mois après, cette maman est décédée. Nous avons le preuve du décès. Le certificat de décès. Soyi baben ango acte de la test, soyi acte de décès. Nous en avons. To memia on a kaf. To kotsa ke on lobby. Dimanche plutôt. 4 mois après maman Koufi. Allons-y. Octobre. Ça va. Novembre, décembre, janvier, février, 4 mois après. Soit au compté, octobre, novembre, décembre, janvier. Sora koufaï naba, sora botake naba, souka octobre. D'être au compté novembre, décembre, janvier, février. Février, on a, ils ont tombé en 1986. Maman a koufi, 4 mois après. Et comment est-ce que, ba Gabonais balobi, Gelor est né, ce qui le 15, ce qui février, ce qui avril, 1990. C'est ce que le président Omar y a posé la question à la CAF. S'il vous plaît, la CAF, demandez à la Fédération Gabonaise de nous expliquer comment une mère qui est décédée 4 mois après la naissance de son fils, en 86, 4 mois après, novembre, décembre, janvier, février 1986. Comment elle est encore partie renaître à quel sous-soukobo tamana Gabon pour venir mettre au monde Kia Koukia Gelor Kanga en 1990? Bon, mon calcul. Awa, na 86, le 8 octobre, aboti, na 85, le 8 octobre, aboti, kiaku, kiangana. Akoufi, na 86, 4 mois après. Et maman wana, ayeko bota malisusu, na Gabon. Pour que na 1990 abota Gelor Kanga, vous nous prenez comme de qui? Bazoba Tande Bosambo. Et la CAF va dire la FEGAFOOT, Fédération Gabonaise de Football, expliquez-vous. Panique. Nous avons vu Constant Omar Yazakama et les boys. Nous avons vu le vice-président de la fédération, le vieux Bobo Bondembe. Ozakama et les boys. Il n'a pas été nommé pour rien le conseiller du président de la fédération, Chris Shabani Nonda. Yoka Baboul, Yoka Ba Conseil. Gabo Samboy,
Nde ba sui panique wana, nde ba yekoloba ote, CAF, permettez-nous, to sengi bo pousa. CAF, a tout ni pe fekofat, vous acceptez, fekofat, oh, nous on n'a pas de problème. Hein? Ba kende ba bongama, biso to akana po sa ba expliquer. Contre mire. Nena lobagi na émission li boso na robe mambwa gelo kanga. Bloc. Ve costant mari. Bloc. Arnold Béa, soldat. Bloc. Hein? Blessing Chibola. Gaboazui, bloc. Et Kalamingite Awa, je venais de lire dans le site de la Fédération à Gabon, ils ont publié que la CAF rendra le verdict qui oppose, du problème qui oppose le deux fédérations le lundi 24. Le lundi. Ce lundi ici, la CAF va rendre son verdict. Oh, Gabo Samboe, Balongwe, merci à toi, Benny Fombo, pour cet accompagnement. Parce que Yondo d'ici ma caméra, Yondo réalisé émission Hall. Merci à toi, l'assistante du chef, Aurélie Mouteba. Johnny Kaninda, mon patron, l'ami du changement. N'hésitez pas à vous abonner à Congo Market Télévision. T'as la vidéo, t'as la CMTV Sport. Mais Kené Moupandi, place Bakomi, s'abonner. Cliquez dans la notification pour zang rater ba élément na biso. Cliquez dans j'aime. Ciao. Baron Makushi. Merci grand frère. Longonia et soutien à FRDC. CMTV Sport, toujours soutenir FRDC. Barwande, contre mire. Ciao. Nantar Gabon Tepo Basiba Longwe.